Il y a moyen que le monde soit long, mais il me tente bien. J'hésitais, je me disais, est-ce que je fais que le monde 4 aujourd'hui? Mais là, j'ai quand même un peu envie de faire celui-ci aussi, j'avoue. J'avoue, j'ai un peu envie de faire celui-ci. Donc on va faire celui-ci. Pam 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 pam. Je sais pas si on allait buter d'une quelconque manière. Genre. Merci. Ah oui. Stylé en vrai. Je l'ai... Mais elle est arrivée d'où Franchement, c'est quoi ça? Ok. Tu m'intéresses, toi. Mais je sais pas à quoi tu sers. En une vie. Ok. Alors, ces trucs-là, elles arrêtent au bout d'un moment, non? Pas longtemps par contre, il me semble, ouais. J'espère que dans la flotte en dessous, il n'y a pas un... Non, en vrai, je pense pas. J'espère qu'il n'y a pas une pièce en dessous dans la flotte. Alors, le timing va être chiant. Ouais, on peut y aller là. Ok. Ok, ok. Oh, ça va me faire chier ce que je viens de faire. C'est pas malinx. Ah oui. Ah oui, d'accord. J'espère qu'on peut rebondir là-dessus, ouais. Ok. Ok, ok. Ah, je vois le genre. Je vais me faire fumer d'ailleurs. Non, c'est bon. Ouais, le challenge là. Bon, vas-y, si tu veux. Merde. Non mais... Genre. Ah. Oh l'argent. Oh tout cet argent gaspillé. Ok, très sympa ce petit niveau là, très très cool. Je me souvenais même pas, je m'en souvenais vraiment pas de celui-là. Très sympa en vrai, très cool. Bienvenue Clemfield.
Ouais. Qu'est-ce que... Oui. Moi, je me tapais, moi. Vas-y. Peut-être j'aurais pas voulu me taper, en fait. Je viens d'y penser, là. Je me suis dit, en fait, je sais pas. Il y a combien de temps? Ouais. Il y a du temps, par contre. Ah. Ça me saoule, celle-là. Non mais il donne des champis de merde. On va utiliser un... Vous savez quoi? Au début du prochain niveau, on utilise un champi. Parce que sinon, ça nous sert à rien. Pourquoi je vais par là? Je suis con ou quoi? C'est quoi le 2? Ça va être celui du haut? Ouais. On va d'abord faire le 2. On n'a pas tant d'objets que ça, en vrai, je trouve. Toujours l'impression qu'on en a beaucoup plus. En vrai, on n'en a pas tant que ça. Alors attends, dès le début, il y a de la couille. On peut pas les tuer, hein, on est d'accord. Ouais. Tu vas où? Où vas-tu? Ouais. Voilà. Il est fou, lui. La chenille toute mimi, c'est les wigglers, tup. Ça s'appelle un wiggler. Toute mimi, après, bon, hein. Moi, je trouve que c'est très relatif, mais bon. Mais c'est un enfer, mais c'est... Mais... Je suis désolé, mais ce game design est nul à chier. Ce game design est complètement nul à chier. Ça te tombe sur la gueule comme ça, sans que t'aies rien demandé. Je suis mort. Qu'est-ce que c'est que ce level design? J'aurais pas dû lui sauter dessus, hein. Trop bizarre. Ok. Genre, je peux pas sauter dessus? C'est une blague? Mais pourquoi pas? Non mais... Ah, merci! Quand même. C'est ça? Quoi? Je m'en fous de ça. C'est nul. Ah oui, merde. C'est vrai. Je serais pas un peu dans la merde, moi, par hasard. En vrai, ça va. Voilà, par contre, faut aller chercher des trucs, là. Ah non, y a rien d'autre. Ok. Décevant. Ah, mieux. Mieux. Ouais, par contre, le niveau n'est pas terminé, quoi. Ok.
Attention à pas mourir à la toute fin avec le Wiggler, c'est bon. Ok. Très bien, nous allons désormais aller non pas au château. On est obligé. Éternel, et qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'aujourd'hui? Bon bah niveau 3 plus tard, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Niveau 3 plus tard. Merci beaucoup Ezirek pour ton 13e mois d'abonnement, merci infiniment. Merci beaucoup. Ah, ici, il y a des drops de cartes LR, effectivement. Oh là, il va y avoir des trucs cachés partout, ça va être insupportable. Ça va, ça devrait faire. Hein. Si c'est bien la première, c'est cool. Ok. Je vois quand tu l'as ce truc là. Si ça doit être à droite, il doit y avoir un. Oui. Très bien vu de ma part ça. Continue avec une même. Merci MV8 pour ton Prime. Bienvenue dans ton 11e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour le soutien. Presque un an. Merci à toi. J'ai toujours qu'une seule pièce. Là, je commence à être un peu en mode. Bon. Ok, une pièce. C'est peu quand même, non? Une pièce. Une grosse pièce, je veux dire. Ah. Ok. On a déjà 99 vies de toute façon. Ah merde. Ok. Ok, RAS. Je sais pas. Ah si, d'accord, ok. Non, c'est pas clair, hein. Le problème, c'est que le Scalarex, il me fait chier. Ouais, bah ouais, bah ouais, mais bon, le Scalarex, quoi. Putain, d'accord. Ok, 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 ok. À l'envers. Hein? Ah oui, oui. Ok. Ok.
Alors c'est lequel celui-là? Celui-là je peux pas l'attaquer direct à cause de ces trucs là. Iggy. Il y a toujours quelqu'un pour se gourer hein, quand on demande qui c'est le coup à merde là, l'affreux Jojo. Merde, vas-y viens là. Ok. Parfait. Ensuite. La sortie secrète, j'ai aucune idée d'où elle est. Mais attends. Ah si, ça a bougé. Ok. On va enfin pouvoir faire le niveau qu'on voulait. Salut le biceps, ça va bien et toi? Ok, ouais. D'accord. C'est ce niveau. Et bah top. Ah ça ne les tue pas si on fait ça, ok. Il y avait une pièce là-bas, alors fallait peut-être pas... Ah si, okay. Oh, le turbo machin là, en vrai. Ouais, ça sert à rien de prendre les pièces. Ils sont trop cool ces ennemis, ils auraient trop dû les mettre dans... Ils auraient trop dû les mettre dans Mario Maker 2, en vrai. Ils sont trop bien. Merde. Alors. Ça, c'est vraiment craqué comme objet. Ouais bon, salut la vie. Hein. Par contre, une seule pièce à ce stade. Ok. Quoi? Et bah top! Attends, juste pour ça? Et bah génial! Et je peux garder ça et tomber. Il peut rien me dire. Ah si. Ça, ça a l'air... Alors attendez, la dernière. Quoi? Ok. Ah ok. Il va jusqu'où là?
Tout ça pour récupérer le power-up que tu viens de perdre. Même un power-up moins bien que celui que j'avais perdu. Ok. Niveau suivant. Je m'interroge juste sur le... sur le niveau secret. Sur la sortie secrète, j'ai aucune idée. Il l'aurait remis dans le monde debout une deuxième fois ? J'en sais rien. Je sens que celui-là... celui-là, on va vraiment galérer. Non. Non mais il y a forcément une vision, ils n'ont pas mis ça gratos. Ils nous ont vraiment mis ça gratos, ok. Ok. C'est quoi? Ah! Bonjour. Ah, il faut lequel? C'est lequel le mieux? Dites-moi, moi je m'en fous, mais dites-moi quoi. C'est quoi ça? C'est quoi le problème? Faut qu'on soit combien dessus? Faut qu'on soit combien? Je m'en fous, mais dites-moi combien? Pas vous, hein, pas vous dans le chat, hein, évidemment. Ah non, lui, faut pas que je le bute du coup. Ah si, il y avait des Goombas après. Ok. Vous êtes trop nombreux là ? Oh, bâtard. Oh là là. Ah, il est dur ce niveau. Ah, il y a des bébés Goomba de merde. Ah, ils comptent tous comme des... Ok. On peut trigger des ennemis de là-bas pour qu'ils tombent déjà. Allez. D'où encore deux. Oh, les bébés, ils font trop chier. Elle va tomber, elle. Du coup, je pourrais plus l'attaquer, ouais. Oh, mais franchement, c'est quoi ça de faire spawn des ennemis qui sont dans le flou? Sans déconner. Mais... c'est quoi ça? C'est quoi ça? Faut réagir vite, hein, quand même. Je sais pas à quel point c'est broken, du coup, d'avoir... Merde. D'avoir la fleur de glace. Oui, bah attendez, faut quand même que je puisse avoir ma pièce là en fait, je suis en train de me dire. Ok, le Koopa devrait carry. Non, Koopa, grouille-toi un peu quand même, s'il te plaît. Putain, j'ai pas ma pièce. Ça peut pas retourner dans l'autre sens. Ouais, non, bah je veux. Bah rip, hein, salut. Comment élever sa tension en un niveau? Ouais. Après, ça a l'air. En vrai, je trouve cool, je trouve ça bien. J'aime bien. Mort pour l'argent, exactement. Pam 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 pam. Très bien visé de ma part, ça. Yeah.
Ouais. Dommage. J'aimerais bien qu'il y en ait plein pour farmer des vies, même si on n'a pas besoin de vie fondamentalement, mais... On est 5 là ? Ah d'accord, c'est qu'ils sont pleins. Ah, les pièces comptent. Ok. Le cul. Ah, je peux pas les tuer comme ça, évidemment, bien sûr. Ne le dites pas, hein, surtout. Enfin, je parle pas à vous, hein, je parle au jeu. Merde. Oh, j'ai pas compris. J'avais pas compris. Je n'avais pas compris. Ok, la suite. C'est reparti, cette fois on sait comment faire. Ça devrait aller. Absolument aller sur le truc pour le trigger avant de me prendre un dégât. Résultat, je les trigger après m'être pris un dégât. Merde. Y'a pas eu de checkpoint ? À ce niveau, il n'y a pas de checkpoint dedans. C'est le premier où il n'y a pas de checkpoint, non ?
Tiens donc. Ça se trouve, il y avait une sortie secrète. En vrai, je pense pas. Mais... Il pourrait être où, la sortie secrète? Ah merde, je suis obligé d'aller par là. Ça va être chaud à trouver, la sortie secrète. Et encore un manoir d'ébou. Aïe, 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 aïe. Oh, auto-scroll. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour. Désolé. Je faisais des tests. C'est vraiment pas contre vous. Ah oui. Ok. Merde. Salut Grom. J'ai refait exactement la même connerie. En fait, c'est traite ce machin là, ce truc, l'hélice de merde là. En fait, ça, du coup, ça te bloque ton déplacement. Et du coup, c'est pour ça que je me retrouve bloqué, je pense. Loin, je peux rien faire. Bah ouais, c'est top, mais juste parce que je l'ai déclenché trop tard, je suis puni, quoi. Mais du temps à détecter des fois le déplacement, hein. Bah top. Mais je m'en fous en fait. Putain, ça se trouve là, en fait ça se trouve là, par exemple, il y avait une pièce là. Ah non. Ok. Ok, ok. Bon, ça va, la deuxième était là. RAS. Je suis où? Oh le con! Ça sert à quoi d'avoir ça? Vas-y, passe. Et bah top, tout cet argent qui tombe dans le vide. En fait, j'ai envie d'aller en dessous, mais si c'est pas bon, je suis dans la méga merde. Ou alors c'est peut-être pas la fin du niveau. Ça sent quand même un peu la fin du niveau là. Ha!
Il me manque une pièce. Fais chier. Je me demande où elle peut être la dernière... Putain, merde. La dernière... grosse pièce étoile. Je sais vraiment pas, en vrai. No joke, j'en sais rien. Putain, j'ai rebondi. J'en ai trop marre de cet objet. Cet objet caché dans les nuages, à chaque fois, soit je rebondis, soit je... Voilà. Tu vas faire Mario Bowser's Fury? C'est déjà fait, Denis. Je l'ai déjà fait à 100%. Denis. Ouais, à la fin, j'avais une idée, mais ça me paraît bizarre, en vrai. Mais peut-être, hein. Peut-être que c'était ça, effectivement. Pourquoi Mario n'avait plus de casquette? Parce que j'avais 99 vies, apparemment. Ouais, s'il y avait un chemin secret, la dernière pièce pourrait y être. Théoriquement. Je l'ai fait le jour de la sortie, je crois, Denis. Mais ouais, si jamais tu peux retrouver le replay dans le lien qu'a posté Nightbot juste au-dessus de toi. Et ben top, je suis trop content d'avoir fait ça. Très bien vu de ma part ça quand même, hein. On s'en fout complètement du bloc P s'il donne rien de SP. Même en attrapant toutes les pièces, ça donne jamais rien de façon ce truc là. Je sais pas où peut être la dernière pièce, peut-être encore une histoire avec le bloc Po aussi, parce qu'il y avait un autre bloc Po après si je dis pas de bêtises. Il y avait un Po. Ou alors, faut l'utiliser à un endroit précis.
Random. Mieux ça. Mieux. On peut se débarrasser de cette merde. Donc là, il y a la deuxième, ok. Jusque-là, très bien. Jusque-là, ça va. Je vais garder ça, hein. Non mais là j'ai pas le temps de réaction nécessaire pour un truc pareil. Au moins on sait où elle est, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, au moins on sait où elle est. Non, en vrai c'est bien. Mais ouais, faut... Putain, c'est fast hein, quand même. Ouais, New Super Mario Bros. Sur DS, c'était vraiment cool, hein, effectivement. J'aimais bien aussi Boya. Ok. Donc attends. Entre les deux trucs là? Ça doit être un truc comme ça. Ok. Mais alors par contre la sortie secrète, j'avoue que bon... Pour moi c'est encore dans le manoir debout la sortie secrète. Je vois la map là, je me dis la façon dont elle est dessinée. Il y a quand même bien moyen que ce soit... Ah je sais pas, ça pourrait aussi... Putain j'en sais rien. Ah mais je peux pas y aller là au manoir. Je peux aller nulle part là en fait. Faut me tape, faut qu'on se tape. On est obligé de se taper là. Alors. Je peux toujours aller nulle part. Oh, on est obligé de faire la fin direct. Non, c'est nul. C'est bête. Bon, bah, allons-y, hein. On fera le reste plus tard. Il n'y a qu'une seule sortie secrète par monde. Bah, dans le monde d'avant, il y en avait deux, Julie, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, non. Oh, merde. Ah bonjour. Ça a pas sauté hein, juste j'ai appuyé, ça n'a clairement pas sauté. Ah, ça a bougé, on peut se barrer. Ah, je peux toujours pas aller faire le monde qui m'intéresse. Putain merde. On va quand même pas sauver Todd. Non, je refuse de m'abaisser à ça. Non. Non, non.
Ok. J'étais censé le toucher, hein, celui qui manquait là. Eh mais ça va les déplacer juste d'avoir fait le combat. Ah non. Ah si. Voilà. Pam 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 pam. Celui-là en petit, j'aime moins déjà. Bon. Et les ronces. Eh ben top. Top. C'est génial. Et si je me tape contre elle en plus. Ah, j'espère que j'ai pas de choc. C'est bien, on ferme les champis, ça ne sert à rien. Là, je les ai tous virés. Eh bien, ça ne change absolument rien. Top. C'est génial. Bon ben, pas de manoir debout. Ou alors, faut re-terminer un niveau peut-être. Bon. Du coup, c'est reparti pour ça. J'ai jamais appuyé. Ok, c'est bon, on peut se raccrocher après avoir... Ok. Mais je n'avais jamais appuyé là-dessus. Ouais. C'est compliqué, le mix du bouton bas et de... Compliqué. Et cette porte-là, qu'est-ce qu'elle fout là? Ah. Ok. Non, Cyrix, c'est bon. Ne me le dis pas. Un peu grillé ça. Hein. Ça aussi. Salut.
Putain, il n'y a pas eu de checkpoint en plus si je dis pas de bêtises là-dessus. Et là, les ronds sont rebougés. Bon, on va continuer ce niveau maintenant qu'on est dedans. Ouais, il y avait effectivement pas de... Effectivement pas de checkpoint. J'ai déjà oublié où était le premier... Ah si, ça y est. Ça me revient. Putain, les contrôles par contre, c'est vraiment chier dans cette config là. Aïe 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 aïe. Je viens d'arriver, ça meurt direct. Ah bah on commence à être sur des niveaux où les faire en 100% n'est pas hyper facile, Roda. Non mais là pareil, j'ai fait bas. Il fait pas d'attaque rodéo en fait. C'est parce que quand tu prends de la vitesse, tu peux pas en faire, si? Ouais, non, c'est juste. La croix directionnelle de la Wii, c'est vraiment tout petit quoi. Mais là, du coup, je pourrais pas avoir la pièce dont on a besoin, si je dis pas de bêtises. Ouais, il fallait qu'on... Ça doit être possible, mais beaucoup plus chaud. Ouais, c'est possible. Ça va, ça va, ça va. Ok. Je pensais que la plaque allait ressortir plus tôt. Faut que j'arrête de me précipiter, c'est complètement con. Non, non, je joue sur Wii U, Coyote. Ouais, je suis un connard, je vais trop vite, je vais trop vite. Non. Le jeu n'est pas compatible avec une manette GameCube. Je ne sais pas du tout, Alex. Mais après, il n'y a pas de... J'en sais rien. Mais par contre, il n'y a pas de port GameCube sur la Wii U, si je dis pas de bêtises. Je dis une connerie, là? Non, je crois pas, hein. Merde. Pas assez patient, ça mon problème. Calculer hein, ça évidemment. Donc là on doit attendre une phase de plus de ces machins là. Là on peut y aller. Et là fallait que j'y aille avant. Moi je sais pas. En fait ouais c'est un peu au choix en fait. D'ailleurs, je me suis fait avoir là. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu de ça par contre? J'espère qu'il n'y avait pas une pièce cachée parce que si c'est le cas, je l'ai pas du tout. Ok, bon. Ensuite, je vais là.
Tac, il y a un truc en bas. Je sais pas à quoi que ça sert. Probablement pas à grand chose, c'est quoi ça? Ah, c'est des trampolines. Ok. Ça, c'est pour nous montrer une mécanique sur le dernier moment pour dire bon. Là, tombe le boss, il y a moyen que t'aies ça, quoi. Je pense que c'est ce que ça veut dire. Ouais, tout à fait. Non, c'est bon, c'est déjà assez complexe, tu vas pas nous rajouter un tour de magie, là. Qu'est-ce qu'il va nous rajouter? Et le chomp est invincible? Le chomp est plus gros, ok. Merde. Je comprends pas sa direction. Il est obligé de suivre le trajet en fait. Il n'y a pas le choix. Salut. Ah merde, fallait aller en haut. Ah. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Ah, ça va me spoiler le prochain monde alors qu'on a même pas terminé celui-là. Mais de toute façon, on va revenir en arrière. Il nous manque plein de trucs. Putain, par contre, pour sauvegarder... Pour sauvegarder, il faudra reterminer un niveau qui sauvegarde. Mais je me demande ce que ça va être le monde 6 en vrai. Ah, je veux pas voir, mais bon, tant pis. Alors... Pour la prochaine fois qu'on y jouera... Oh d'accord, ok, cool. Cool, cool, cool. Ok, ok. Non, bien, bien, bien. Très hâte. Très, très hâte. Putain, stylé la petite map là. Du coup... Je sens qu'il va falloir sauver le Toad, hein. Ça fait chier, mais je sens que, bon... On va être obligé, hein. Plus les mondes avancent, plus j'ai des flashbacks de l'enfer. Ah merde. Merde, merde, merde. Ah bah là, il y en a plus, tiens. Et après, devant, il y en a encore. Ah non, il y en a plus. Ah bah parfait. Ok. C'est random. Mais ok. Il ne restait que ce monde-là à faire, du coup, à 100% ou j'en ai oublié un autre? Oui, en fait, c'est le seul qui nous reste. Ça, vous pouvez me répondre dans le chat. Hein. C'est une question où je vous demande, est-ce qu'il reste plusieurs niveaux à faire? Est-ce qu'il reste autre chose que le manoir dans ce monde-là que j'ai oublié? Il y a une date pour le prochain live Mario où il faut suivre les notifs. Faut suivre les notifs, malheureusement. Pas de date de prévu. Littéralement un labyrinthe, hein, bien sûr. Mais non!
Ah mais d'accord, mais même quand c'est éteint, c'est pas grave. Ok. Alors pour trouver les trois pièces de celui-là, il y en a pour un moment, hein, je pense. Et la sortie secrète, si jamais elle était dans ce monde, évidemment. Tu... Sirix, bon. Non, mais ce que j'ai pas fait, je crois que c'est des maisons de Todd, ce genre de truc, mais il me semble que le reste, j'ai tout fait. Bon, la sortie secrète, on l'a, a priori, hein, du coup. Par contre, on a zéro grosse pièce. Ah, d'accord. Bon, il nous faut trois grosses pièces. Pfiou. Eh ben, on va s'amuser. De toute façon, je suis con, on va avoir une petite alerte. Si on a terminé toutes les pièces d'un monde, ils vont nous dire « Eh, vous avez terminé toutes les pièces du monde ». On est où là? C'est injouable, ça me fume. C'est juste totalement injouable. Ah bah oui. Bah voyons. C'est parfaitement injouable. Ah mais s'il y a une pièce là, jamais je la vois. Hein. En fait si. Mais par contre j'ai raté... d'accord. Par contre j'ai raté une grosse pièce. C'est le début ça, non? Ouais. Alors vas-y, viens. Stop. Stop. Oh, y a des trucs partout. Ok, la première était là. Très bien. Très bien, très bien. Du coup, là, en bas, on n'a pas fait ça. Puis, par là. Puis... Ouais, là, il y en a trop, là. Ça, peut-être. Ah, on n'a pas fait ça. Ça a l'air marrant. Sous-entendu, ça a l'air ultra dur. C'est hyper chiant. J'ai envie de crever. J'y vais pas trop vite pour bien comprendre les méta de chaque mouvement. Pas me faire avoir là, parce que je sens le truc, les cycles à la con là. Comment je passe en fait? Ah oui.
Quoi? C'est mal fait hein, quand même ça par contre. Parce que normalement c'est mieux hein, dans le jeu. Voilà. Voilà, tout ça pour ça, c'était un peu évident. Et on sait toujours pas s'il y avait une grosse pièce qui était prenable quelque part, on n'en sait rien. Et ça franchement ça fout un peu le seum. S'il y a moyen que oui. C'est du vide ça tout simplement? Ça a l'air d'être tout simplement du vide. Ça veut dire qu'il y aurait tout simplement rien à choper ici. En grosse pièce. Possible. Possible. Est-ce que tu trouves ce jeu difficile en général? Ah merde! Ah merde! Je vais peut-être mourir juste avant la fin là, par contre. C'est pas passé loin. Le NI% a pas l'air trop dur, mais le 100% a l'air très très dur, je trouve. Et je fais toutes les pièces, ouais. Il m'en manque plus qu'une. Elle va être galère à trouver, je sens. Alors. Non, du coup, là, il y a qu'un truc, là. Ouais, bah, faut toutes les tester, hein. Faut toutes les tester, concrètement. Ça se trouve, il y en a, elles sont imprenables. Celle-là, on l'a jamais faite. Quasi sûr. Ah, c'est bien éclairé. Salut Seigneur. Ah, c'est marrant, ils ont tous des petites animations. Oh, elle est là. Ah, ok. Bah super. Oh, ou alors il y a deux sorties secrètes. Ce serait un truc de ouf, deux sorties secrètes dans le même niveau. Donc du coup la vraie sortie, bah en fait faut, non on peut prendre la sortie secrète, elle est plus courte il me semble dans ma mémoire. La sortie secrète était plus courte et elle était là. Et après il y avait une phase. Ah, une phase qui était pas si facile en fait, je suis en train de me rappeler en fait, non. Ah, quoique ce truc là n'était pas obligatoire. Donc en vrai, peut-être que ça va. Ok. Non, ça va. Ok. On va voir si on a toutes les pièces de ce monde. Et si c'est le cas. Et si c'est le cas. Eh ben. Il faudra sauvegarder. C'est oui. Alors pour sauvegarder, il faut qu'on termine un niveau qui sauvegarde. Donc. Déjà, il faut faire ça. Ensuite, on va sauvegarder. Et ensuite, ce que je peux vous proposer... Ce que je peux vous proposer ensuite... C'est éventuellement... Merde. Éventuellement, peut-être un petit football avec Exaïd qui n'a pas du tout digéré la défaite hier soir. Et qui aimerait... Qui aimerait retenter sa chance, parce que c'est vrai qu'il a pas dormi de la nuit, il était vraiment en PLS à cause de la raclée que je lui ai mise. Et du coup, il m'a dit qu'il voulait en découdre. Donc potentiellement, un petit foot pour terminer. Ça peut être pas mal. Du coup, je refais ce niveau-là.
Non mais c'est vrai que celui-là, c'est celui où j'essaye trop de speedrunner et que du coup je perds. Y a moyen hein, de gagner des cycles, hein, mais peut-être pas trop flex non plus quand même. Mario n'a plus de casquette parce que j'ai 99 vies, Romuche. Ah, cool, Seigneur. Merde. Mais oui, mais moi ce que je voulais c'était rebondir sur le truc, mais ça marchait pas, je sais pas pourquoi. Eh, mais là il est en train de me fumer, alors que la première fois c'était trop simple. Et là je suis en galère. C'est ouf. Mais là c'est la version hardcore du boss ou quoi? Il va me fumer. Il va me fumer. No joke. No joke. Bon. Ok. Ok, ok. Donc là, normalement, ça devrait nous proposer de sauvegarder, si je dis pas de bêtises. Ok. Oui, je souhaite sauvegarder. Et la progression est totalement sauvegardée. Et la prochaine fois, on peut voir déjà un petit peu les... la gueule qu'auront les deux mondes qui nous restent. En vrai, c'est assez évident. Il nous restera du coup après le monde du ciel, puis le monde des laves. Ok.